Alors, Sylvain, est-ce que tu es content de ta campagne dans Bonaventure? Oui, Mme Marois, ça a été une expérience de vie extraordinaire. J'ai rencontré énormément de personnes, des jeunes, j'ai rencontré des personnes âgées, des travailleurs forestiers. J'ai eu des bonnes discussions avec beaucoup de gens qui m'ont exprimé leurs inquiétudes, leurs besoins. Et écoutez, ça m'a donné vraiment le goût d'amener une autre contribution au développement de notre société. J'ai été chercheur, maintenant j'aimerais faire partie d'une équipe qui vont être capables d'amener une contribution significative au développement du Québec et entre autres, en étant élu dans Bonaventure, je pense que je vais être capable de livrer une marchandise que les libéraux n'ont pas pu livrer. Je suis très contente de ta campagne, Sylvain. Moi, j'invite les gens à venir voter lundi pour Sylvain Roy. Faites-vous plaisir. Offrez-vous un cadeau. Envoyez donc un message à M. Charest et choisissez quelqu'un de solide pour vous représenter à l'Assemblée nationale. Venez voter pour Sylvain Roy.